Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et j'ai envie de te dire, passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir riche en France? Alors je sais que peut-être tu te poses cette question là parce que tu as déjà peut-être entendu parler de d'autres pays où ça a l'air d'être plus clément pour pouvoir développer une entreprise ou un business, ou peut-être que tu as déjà voyagé, tu sais un petit peu comment ça se passe. Donc c'est vrai qu'en France on n'est pas favorisé pour le développement d'une entreprise. Bon, ça c'est mon avis personnel, hein. Si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, par rapport en tout cas à d'autres pays où quand même t'es beaucoup plus poussé pour pouvoir t'enrichir. Et est-ce qu'on peut devenir, comment devenir riche en France? Bah déjà, il y a des avantages qu'il ne faut pas négliger, c'est au niveau de l'immobilier. Au niveau de l'immobilier, tu peux pratiquement te faire financer tes appartements, enfin tout ton mobilier, sans apporter d'apport en fait. Donc ça, c'est un effet de levier qui est vraiment de ouf, d'accord? Parce que du coup, tu as vraiment besoin de rien pour pouvoir commencer. Donc tu commences vraiment de zéro, quoi. Donc ça, c'est vraiment énorme, alors que dans les autres pays quand même, il y a toujours un 20% qu'il faut apporter, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors qu'en France, on a cette chance quand même de pouvoir commencer vraiment de zéro et de pouvoir commencer à avoir 1, 2, 3, 4, 5 biens immobiliers. Bon, à un moment donné, tu vas te retrouver un peu bloqué parce que ton taux d'endettement va être trop élevé. Il va peut-être falloir que tu vendes un appartement pour avoir du cash pour pouvoir recommencer. Donc c'est pour ça que l'immobilier, c'est bien pour commencer, pour se lancer un peu. Je conseillerais même de faire un peu d'achat-revente, d'accord, pour pouvoir faire rentrer du cash, parce que concrètement, la puissance financière est roi. Si jamais tu as du cash sur ton compte, c'est là que tu vas pouvoir saisir des opportunités, c'est là que tu vas pouvoir placer ton argent ou le confier à un trader comme tu veux. Mais si tu n'as pas de cash, ça va être compliqué. Maintenant, c'est toujours bien de commencer par l'immobilier si tu n'as vraiment rien. Mais moi, je conseille de créer une entreprise. Et donc, après, pouvoir s'enrichir en France, eh ben, c'est de la même chose que dans tous les autres pays. Il va falloir que tu crées ta société, que tu crées une offre, d'accord? Donc moi, j'accompagne les personnes qui ont déjà une expertise pour pouvoir vraiment créer une entreprise et leur permettre de pouvoir s'enrichir, d'accord? Donc si jamais tu as, par exemple, une expertise dans tout ce qui est santé, dans tout ce qui est, donc tes coachs, consultants, tu as une expertise sur la santé, tu as une expertise sur les finances, dans tout ce qui est immobilier, trading, tu as une expertise sur tout ce qui sont les relations, d'accord? Comment trouver la femme de sa vie, etc. Si jamais tu as des compétences là-dessus. Moi, j'accompagne les entrepreneurs à partir de l'expertise à générer 10 000 euros le plus rapidement possible. D'accord? Il y a plusieurs témoignages que j'ai par rapport à ça. J'ai un de mes clients, bon, celui c'est le summum, il a fait 86 000 $ en un mois. Et depuis, il enchaîne. Et il est vraiment parti loin, il a arrêté de travailler. Il a quitté son emploi parce qu'à la base, il était un emploi. J'en ai d'autres qui ont fait des 6 000 euros, des 10 000 euros en quelques semaines ou un mois. J'oublie maintenant, mais et si tu veux voir, tu verras dans les témoignages. Donc oui, c'est possible de pouvoir t'enrichir en France. Maintenant, attention, parce que quand tu vas commencer à gagner de l'argent, ben, y a tout le côté fiscal, hein. Parce que nous, les entrepreneurs, on crée de l'argent, mais après les impôts, ils veulent prendre leur part du gâteau aussi. Donc c'est ça qui fait que c'est un peu compliqué, mais ça ne change pas le problème que si jamais tu veux gagner de l'argent ou t'enrichir, tu vas réussir à t'enrichir. C'est juste qu'il va falloir vendre plus. C'est tout, tu n'auras pas trop le choix. En tout cas, si jamais tu as une de ces expertises que je t'ai citées, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir avoir accès à la masterclass offerte où j'explique exactement comment générer les 10 000 euros, les stratégies que j'utilise en fait avec mes clients. D'accord? Donc tu pourras y avoir accès, c'est offert, c'est gratuit. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire par rapport à comment devenir riche en France. Eh bien, c'est tout simplement en créant une société. D'accord? Créer une société, un service, d'accord, où tu vas apporter de la valeur et en échange, les gens vont te donner de l'argent. Donc ça peut être des produits d'information, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la connaissance, c'est ce qui coûte le plus cher, hein. Donc ça peut être des produits de formation, ça peut être juste acheter une franchise, ça peut être juste continuer sur l'immobilier, ça peut être juste être trader et être bon et être rentable et générer du cash, d'accord? Donc voilà, c'est tous les piliers, c'est les mêmes piliers que d'habitude. Comment devenir riche en France, c'est la même chose, quel que soit l'endroit où tu es, c'est comment devenir riche, c'est la même chose, d'accord? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à me mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, et nous on se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminés.